Tout a débuté par un point à l'horizon. Une étincelle. Un sentiment. Une inspiration prête à toucher le cœur de tous les Canadiens. Et l'entrée du flambeau paralympique au BC Place ne symbolisait pas une fin, mais plutôt un commencement. Le début d'une histoire qui allait tous nous changer. Nowhere in the definition of an athlete does it say that you need to use your legs in order to be one. Through your heroic efforts, you are certain to inspire and to lift us all. I declare open the Vancouver 2010 Paralympic Winter Games, a first in Canada. Une fois la basque allumée, les Jeux étaient officiellement ouverts et nos athlètes fin prêts. L'ardeur acharnée d'équipe Canada a tout simplement transporté les Canadiens. Les frères McKeever ont écrit une page d'histoire en remportant la première médaille d'or des Jeux paralympiques d'hiver en sol canadien. Et tout comme ils l'avaient fait aux Jeux de Turin en 2006, nos curlers ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs au monde. La sensationnelle Lauren Wolstenkamp a remporté médaille après médaille sur les plus hauts sommets de Whistler. Et nous devons tous être fiers de notre équipe de hockey luge qui a agi avec dignité et honneur. À la conclusion des Jeux, nos athlètes canadiens avaient remporté 19 médailles, brisant de ce fait le record pour des Jeux paralympiques d'hiver. Mais au-delà des médailles, la vraie victoire était ce sentiment d'une expérience partagée qui restera dans la mémoire de nos athlètes et dans le cœur des Canadiens à jamais.